Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur un replay commenté de Blood Bowl 2. Il s'agit de la finale entre mes hommes lézards, les champions d'Exodus et les Bretoniens, les Bresses de Lucigne Noir. Cette finale date du mois de mai, donc il y a déjà un petit temps qui s'est passé. Donc je voulais vous la rediffuser parce que j'avais toujours pas eu le temps, mais là j'ai enfin trouvé un créneau et je vais vous la faire. Du coup, j'avais eu le toss pour cette finale, pour cette première mi-temps. Du coup, j'ai eu une service de bulldozer et j'ai pris un champion, à savoir, comment il s'appelle, c'est le tronçonneur Helmut. Donc, mon équipe, je vais vous la montrer un peu. Pour le petit rappel, j'ai un source bloc et lutte, un skin dextérité bon, un tacle plongeant, un réceptionneur, et j'ai un autre skin que tacle plongeant sur le banc. Donc là je fais un premier blocage pour pousser ce pécor. Donc il y a une bonne défense bien en place. Je recule mes joueurs derrière, on sait jamais. Je vais vite qu'il m'envoie ses blitzers agilité plus 1 d'agilité et bludge pour faire du dégât dans la défense. Premier coup de tronçonneuse qui passe l'armure mais qui ne donne rien, qu'une sonnette. Hop là c'est un petit blocage au crocs. Voilà, il y a déjà deux pécores qui sont sonnés, bon c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix hein. La sonnette, on va prendre. Donc là il va essayer de marquer mes souris, bon c'est risqué hein, avec son armure 7. Après il peut se le permettre vu qu'il a deux remplaçants, bon moi j'en ai un aussi mais. Donc là il va replier ses blitzers, il sait que c'est. De toute façon les blitzers chez les Bretons c'est les 4 joueurs clés. Il va me tenter de me blitzer logiquement mon docker. Bon, il rate l'attrape-petit mais il a 2 dés donc ça va, c'est un poussé. Il reste sur place. Il va me presser là-bas, il a raison. Je commence tout de suite par éloigner cette balle. Bon, là il y a le crocs et les saurus donc ça devrait aller. Je commence à fermer ma cage et à avancer pour mon attaque. Donc là j'ai un blocage à 2D, boule de sol, sonnette, nouvelle armure qui passe. Trois armures en deux tours qui sont passées quand même, hein. C'est pas mal. Et là, je me dis j'allais blitzer le blitzer bludger qui m'a offert, là on va voir si ça passe. Malheureusement ça ne donne rien. Et là je me dis je vais peut-être tenter un 2D au skin car j'ai rien à perdre. Ça ne donne rien non plus malheureusement. Voilà. Comme ça, bon. Hop, et j'avance mon crocs aussi pour mettre une protection assez imposante en taille et en muscle. Donc là, il peut ramener tous ses pécores, hein. Il va pas se prier, je pense. Donc là c'est bien, il veut coller ma cage, il joue assez agressif, mais d'un certain point de vue il a pas tort. Après ses pécores sont pas non plus très très chers, donc je crois que c'est 40 000, c'est le prix d'un serviteur vampire dans mes souvenirs ou d'un god. Donc bon. Donc il laisse 3 blitzers en arrière, c'est quand même pas mal, c'est une belle arme. Et là il va tenter d'aller me blitzer je pense sur le côté ici. Bon là ça touche, hein, évidemment j'ai pas de bloc ici. Il me poursuit pas, il se retire. Donc là je commence à taper tout ce que je peux avec mon blocker. Là il n'y a rien. Là je me dis j'ai peut-être tenté de. Hop. Avec mon sauce lutteur, j'essaie de virer son blocker. Voilà. Je tente un coup de tronçonneuse qui ne donne rien. C'est une sonnette par chance. Fin de mon tour. La balle est pas mal protégée, on va dire. 4 saurus et tout ça. Et un crocs, donc bon. Mais bon, là, le problème c'est que j'ai 3 saurus d'un côté isolé. Et là, de l'autre côté, après j'ai des skinks, mais bon.
Il va faire du tour pour me dire l'idée, il a raison. Allez hop, un blocage, un pot, voilà, bon. C'est un petit peu ce que j'ai vécu dans cette compétition, je trouve que des pots. J'ai beau avoir esquive, mais tout le monde s'en fiche. Les pots, ça passe, voilà. Bon, là, il fait un blocage crâne de sol. Par chance. Par chance, on va dire. Donc là, ça, il va essayer de me presser, ben, il a pas peur. Il va me mettre là pour chenille. Là, ça, c'est bien joué. Là, je crois qu'il va tenter le ramassage, non? Ah non. Non, il se remet là parce qu'il sait que je peux m'échapper sinon. Là, je relève. J'ai 3 zones d'attaque sur le ballon, je me dis. Je repousse ce blitzer là. En plus, dextérité et 4 AG. Toujours ça de prix en tombant. Et là, je sais pas, j'ai fait un misclick. Du coup, je me rate. Je perds une relance vêtement. J'ai fait un misclick, je me souviens plus exactement. J'aurais juste eu à le faire tomber. Donc là, il m'essaye deux zones de tac. Allez hop, deux dépôts. Bon, après, il a rien, ce russe. Donc là, il va pouvoir mettre tous ses gueux autour de ma balle. Hein, parce que bon, les paysans, on va dire que c'est des gueux. Hein. Hop, bon, là, par chance, ça donne rien. Il l'a mis sur la balle, pourquoi pas. Donc là, par chance, avec la pluie, donc c'est une interception assez compliquée. Mais j'ai toujours une zone de tac sur la balle. Et là, il va tenter le ramassage. Il se rate une première fois. C'est un 3+. Il relance. Et là, j'utilise tac le plongeant pour l'arrêter. Et c'est tant mieux. Et c'est son paysan qui récupère encore la balle. Incroyable. Donc là, je relève mon signe tac le plongeant tout de suite. Mon Saurus. Je touche son pécor. Oh, c'est pécor, il tient, hein, la vache. Donc là, je tente les blocages que je peux. Et une blessure de Kars, enfin, au tour 5. Avec tous les blocages et les blocages qui sont passés. Bon, c'est une commotion, ça va. Donc là, je me dis, il faut essayer de concentrer. Bon, je devrais éviter de me concentrer sur les blessures. Peut-être qu'en réduisant ses paysans, ça doit... j'aurais peut-être dû faire ça aussi. Armure 7, ça doit craquer facilement, logiquement. Voilà. Allez hop. Et là, je me dis, je vais aller replacer le Crocs près du ballon pour qu'il gêne avec sa queue préhensile. Comme ça, les deux d'AG, même les 4 d'AG, vont partir là-dessus. Là, je tente une sif qui rate. Mais bon, au moins, il y a un Crocs de quelques tonnes et une grosse queue préhensile pas loin de la base. Je me dis, c'est pas mal. Par contre, là, mon skin dextérité bon à 10 shots est offert au man subitzer. Bon, là, par chance, ça ne donne rien. Ce skin, du boycott, le skin que tac le plongeon tient aussi. S'il y en a qui me demandent si j'ai joué cette équipe depuis le temps, je ne l'ai pas rejoué en fait. Depuis la finale, je ne l'ai plus joué. J'ai laissé un peu de côté, je n'ai pas de mine. Bon, là, il y a 3 zones de tac sur la balle. Sans dépêcher, ça va être un peu dur. Ok, on est tour 6. Bon, il me reste 2 tours pour les marquer. Je crois que ça va être compliqué. Une nouvelle armée de paysans qui passe. Donc là, je me dis, je vais tenter un blocage à 2D ici. Je touche. Encore une armée de paysans qui passe. C'est au moins la 5e. Je repousse ce blitzer là pour libérer un misking. Là j'essaie de prendre le dessus sur le bash. Je continue de repousser. Il n'y a pas le choix. Donc là je mets une zone de tac quand même sur le ballon avec un tacle pour genre. Un des la blotch po qui tombe. Ça ne donne rien non plus. Je me dis, je vais tenter un blocage à 2D, j'ai rien à perdre. Malheureusement, je dois réduire ma relance. Néanmoins, le skink éloigne ce pécor. Je ramène ma tronçonneuse également sur la zone de tacle. Voilà. Pour avoir au moins 3-4 zones de tacle sur le ballon.
Je touche son blisseur, dextérité, 4 dagés. Donc là j'essaie de tenir ma position, c'est pas évident. Bon, il a 2-3 joueurs à terre, donc ils sont un petit peu loin de l'action dans l'idée. Son débloc qui ne donne rien. Là, ça ne donne rien non plus. Voilà. Donc là, je me dis, je vais essayer de dégager ces blitzers, essayer d'en tomber un au moins. Voilà, au moins mes skins sont libres. Donc là, ici, ça touche. Voilà. Il faut que ça fait un de moins qui gêne ici. Lui, j'ai juste à le pousser là, et j'ai un skin de libérer en plus. Parfait. Là, je me dis, j'ai tenté de blitzer son 4 d'agi ici, dextérité. Sonnette, c'est toujours ça de prix. Évidemment, bah, j'aurais dû faire le 3D. Et là, je me dis, pour aller marquer, ça va être mort. J'aurais dû tenter le 3D en rajoutant un support en plus, ça aurait suffi. Donc là, j'ai fait une grosse erreur qui allait me coûter la 7 finale. Voilà le match qui commence à avoir tous les skins se faire enchaîner au niveau pot. Bon, c'est un chaos, voilà. Okay. Là, il va tenter le 1D qui touche en plus. Bon, il reste 2 tours pour aller marquer dans l'idée. Après, c'est du 4 plus, je crois, pour aller marquer. Il réussit. Il retente. C'est un échec. Il réussit son esquive. Mais bon. Tente une passe imprécise. Mais ça pue quand même. Hein. Ça pue quand même parce que son blitzer peut y aller. Donc là je me dis il faut que je prenne tous les risques pour aller coller cette putain de balle. Par chance son blitzer, je fais un bludge, je touche. Voilà. Je me pose près de la balle. Donc normalement il n'a pas de mouvement pour y aller. D'après mes calculs, non. Là, je me dis, j'ai tenté de tomber NC Blitzer, celui à 4 d'AG, plongeon. C'est un KO. Bon, un Blitzer KO, c'est toujours ça de prix. Une blessure de KO, c'est pas mal. Plus sur un 4 d'AG, donc bon. Là je continue d'enchaîner les blocages pour faire le plus de dégâts possible. Malheureusement les armures des Pécor tiennent bien à contre-coeur. Voilà. Bon. On a bâché comme on a pu. Il a 2 KO. Bon, il sera, au pire il reviendra mais il aura du bon. Allez hop, il me rend le pot. Voilà, c'est la mi-temps, donc bon, j'avais l'attaque, malheureusement j'ai pas réussi à marquer, j'ai fait quand même une blessure. Et la question c'est comment KO va revenir. Bah, j'ai une serveuse, il ne revient pas évidemment. Et de son côté, bah, il a une blessure. Et son blitzer revient. Bon, il a toujours un pécor en réserve. Enfin voilà. Montrons son intébussé comme j'ai pas de corruption. Donc là je place tout de suite ma défense. Hein. Bon, le KO est flagrant. Hein. La différence de 1 est flagrante. Donc. Avec ses 2 pécores en plus, voilà quoi, bah, comme ça coûte rien chez lui les pécores. Ce qui est un peu dégueulasse, c'est que j'aurais aimé que ce soit son pécore qui arrive, pas un de ses blitzers, mais bon. Neufel a décidé ainsi, donc bon, on va faire avec. Attendez, je vais vous montrer un peu le coup d'envoi. Donc là, il va replacer ses hommes. Le paysan 3 d'AG, je sais pas si je l'aurais pris honnêtement. C'est toujours bien d'avoir un porteur auxiliaire, mais bon, 40k pour un pécore, ça double son prix quoi. Donc je pense pas, moi je l'aurais pas pris personnellement. Les deux équipes perdent un tour, ok. Bon, c'est pas mal. Bon là il va enchaîner tous les blocages, je pense qu'il va s'en sortir. Hop. Blocage pot. Sonnette du Crossroads Infinity.
lui au moins il tient pour le moment. Là il va aller chercher là-bas, c'est un 3 plus je crois. Ouais, avec dextérité en plus, parce que comme il y a l'appui. Bon, il ramène tous ses paysans pour me faire des pressions de balles. Et mes sauveurs seront faciles à immobiliser. Là, il est rentable, il est gagnant au niveau du ratio. Il aurait peut-être pu même agresser un Saurus hein, s'il avait voulu. Il y avait un écart numérique de 1. Donc les Saurus sont bien embêtés là malheureusement. Mais bon. On va essayer de se battre comme on peut. Là il a 2 dés sur mon Saurus. Heureusement ça ne touche pas. Mais bon là j'ai une de ces options de bâche potentielle. Ça c'est cool. Déjà je commence par un blocage à 2 dés. Le Pécor qui se ramasse un blocage de cartes et qui se met. Là j'essaie d'enchaîner, bon malheureusement les blocages sont pas terribles au niveau des jets de vie. Deux pushés sur les trois. Donc là je regarde mon sourire quand même. Là je me dis je vais tenter de virer un de ces blitzers, malheureusement. Ça ne donne rien non plus, 3 pushés sur 4 blocages. Pas terrible comme phase de bâche. Là je suis en train un push avec Rajudus. Sonnette de Rajudus sur Azure M2.0. Et là je me dis je vais quand même reculer mes skinks. C'est les éléments les plus mobiles pour aller chercher un porteur de balles en profondeur. Donc au moins bon. Après c'est Pécor pour venir me coller, hein. c'est pas un souci pour lui ça. Un blocage pour. Là, il va me reconnaître un paysan dans les pattes. Hein. Là, il va tenter de me démonter le croc, bon, il n'a pas tort. La trépidité qu'il faut, bon, il a 2 dés quand même, il fait un pot quand même, voilà. Ça a réussi, il est plein de réussite dans cette finale. Hein. Beaucoup de pots. Il va me coller un skink, mais bon, foutre rien, coller un skink tac le plongeant, je sais pas si c'est une bonne idée. Donc là il est rentable, il a un paysan pour garder 3 Saurus, hein, c'est bon ça. Là, je crois qu'il va tenter une transmission de mémoire. Je sais pas s'il fallait. Il aurait pu le garder là-bas, ça aurait suffi. Mais... Et là le match qui. Je vois qu'il y a un espoir de relance. Avec ce double 3 plus raté. Je relève mon croc, que pas un signe. Donc là je colle une troisième zone de tac tout de suite. Là je tente un blocage, les deux au sol. Car ce qui tient la ligne. Là c'est un coup. Donc là je vais essayer de coller ici pour annuler le support, pour taper avec la lutte. Bon, ça ne donne rien malheureusement, je poursuis quand même. Donc là je me dis je vais tenter un 2, 1 à 10. Ça ne donne rien je crois. Ah si, non, il avait lui c'était un mauvais blitz, ok. Là je garde la balle. Mais là le problème où je vais aller. Là je me mets là en attendant, j'ai pas trop le choix. Bon, j'arrive à récupérer la balle sur une mauvaise réception, hein, bon. Il n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Il touche, hein. Rien à dire. Bon, bah, blocage de dépôt. Hein. À chaque fois, mes skins ils se prennent des deux dépôts, donc bon, c'est un peu compliqué aussi. Hein. Le processeur de esquive alors. Et c'est mon Saurus. C'est qui nous? C'est mon Saurus Rajudus qui dit à quoi sert le ballon. Il dit bah tiens, je vais choper le rayon. Hein. Et voilà, tout le monde sera content. Là, je prends lutte avec mon Saurus. Comme ça, son Dodger il est à terre. Il dit c'est pas un mauvais échange. Mon skin esquive qui tient bon ici. Donc là je relève tout le monde. Je continue mes blocages avec cartes pour commencer, faire un peu de dégâts. Mais bon, ces Pécors sont vraiment solides.
Là, je l'éloigne. Mon cross qui fait un cerf-volant sur mon bis, qui sont pas très bons. Donc là, je tente le 1D, j'ai pas trop le choix. On va peut-être laisser coller à mon skin, tac le plongeon. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. On essaie de tenir comme on peut. Hein, mais bon. Je pense que ce qui me fout dans la merde pour ce match. Voilà, encore un de dépôt. Hein. Les skins qui en mousse. Bon. La duchesse qui encaisse pas mal les coups quand même. C'est plutôt plaisant. Voilà, encore deux dépôts. Comme d'habitude. Donc là, il va devoir faire le grand tour pour venir me chercher. J'ai deux skins qui protègent mon Soul Sledge. Et là, il peut aller me chercher facilement à 2D. Encore un toucher. Bah, voilà quoi. Donc le match a fait du massacre. Du toucher, du toucher, du toucher. Là, je pourrais pas faire grand chose. Un dépôt aussi. Allez, c'est parti. C'est la fête du pot. Il tente un esquive à 4 pubs. Pourquoi pas. Hein. Allez. Bon, enfin avec ça, attends, faut pas déconner non plus. Hein. Donc là, le problème, c'est que j'ai 5-6 joueurs bretonniens autour de moi. Hop, là, je aussi. Moi aussi, je sais faire des ponts. Voilà. Ça c'est fait aussi. Je tente de sécuriser ma balle. Deuxième protection, j'ai trois protections. On va essayer d'accrocher la mi-temps, la prolongation, mais ça va être dur. Hein. Donc là je tente un blocage. Est-ce que c'était une bonne idée, je ne sais pas. Là les bâches qui ne donnent absolument rien durant ce tour. Au moins il y a trois zones de taque qui peuvent gêner. Bon là il va se remplir avec son blitzer là, je crois, ou celui-là, je sais plus. Ah non, il va blitzer avec un PK. Là ça donne rien, il va blitzer sur la balle logiquement. Parce que je crois que j'aurais fait à sa place également. Par chance son PK récupère et manchot. Et c'est mon skin réception qui le récupère du premier coup. Et ça c'est cool. Bon, il se remet en arrière, il se replie, il a pas tort. Hein. Les skins que dextérité bon qui tient bon. Voilà, petit trim. Donc là, il y a deux joueurs en arrière. Blocage qui réussit ici. Mais ça donne rien malheureusement. Je fais tomber Saurus avec ce paysan avec mon Saurus lutte. Le skin ne passe pas parce que je dois faire aussi un double à un moment, ce qui est logique. Il en a fait un, je dois bien en faire un, c'est la part des choses. Là il me reste deux tours. Et là je me dis ça sent pas bon. Mon skin Adichat qui est un peu mal barré. Qui est très mal barré encore avec un nouveau pot. Maintenant c'est Total Dit qui va prendre cher. Bon. Au moins son skin, son Paker est manchot. Son deuxième pécor est manchot, mais bon, là ça va être compliqué. Regardez, il a juste qu'à prendre ramasser la balle avec son blitzer à 4 d'AG et se barrer et marquer. Évidemment, le DB rouge qui est pas puni, tout lui a réussi durant le match quasiment. Dextérité qui proc, et là il a raison, il va marquer. Là. Voilà, félicitations. Bah, le signe noir qui a ouvert le score bah, tardivement, bah, ça va être compliqué d'aller chercher l'égalisation. Évidemment, ma serveuse qui a servi à rien sur ce match. Son pécor à lui qui se relève du premier coup. Mais... Voilà, le fait d'avoir choisi son vainqueur. Donc, félicitations au signe noir pour cette ouverture du score. Donc, on va essayer d'aller chercher l'égalisation quand même pour tenter une prolongation.
Mais ça sent moyennement bon. Donc là, le coup d'envoi, c'est temps clément. Donc là, on continue bloc. Donc là, j'essaie de créer une ligne d'ouverture. Je tente de bouger le cross qui fout rien, au bon moment bien sûr. Double 1 sur solitaire et cerf-volant, parfait. Donc là ça va être très dur. Bon, je ramasse la balle, je tente la transmission à Total Did. Voilà, là, ça passe. Je tente du jeu de course. Mais honnêtement là c'est mort, hein. Je ne vois pas les... Là il a qu'à rapatrier ses joueurs sur les côtés, j'aurais peut-être dû le mettre là la nuit. J'aurais peut-être aussi dépassé le skill tacle plongeant, comme ça il aurait gêné le comment il s'appelle, le paysan avec bloc. Après il va former ça son rideau défensif, il va pas trop se casser la tête. Donc là il ferme la nasse. Hein. Si j'avais ramené, si j'avais l'opportunité, voilà, de dépôt encore, vous voyez, je peux rien faire durant ce match. Blessure du Steam Total Did en prime. Donc bon, ça c'est une commotion, je relance pas, ça sert à rien. Ouais, mais là honnêtement, la seule solution que j'ai c'est d'avec ce Saurus là-bas, mais ça va être mort. Le Croc qui se bouge pour le dernier tour. Qui fait une blessure pour prendre un niveau, merci point blanc. En plus c'est le vieux, c'est pas mal. Je tente un blocage avec Kars à nouveau. Allez, deuxième blessure, donc là ça y est. Le Fall s'est bien foutu de ma gueule durant tout le match, avec l'Exon et tout. Là il me fait deux blessures, dernier tour. Hein. Il me fait même un KO, donc bon. Si c'est pas un peu se foutre de la gueule des gens, enfin bref. Ouais, c'est le jeu, hein. J'accepte la défaite. Hop. Je tente la transmission de Saurus, j'en ai plus rien à foutre. Alors, ça donne rien. Et c'est la fin de cette finale. Alors. Bon. Mon Saurus Mark Mike qui a lutte, qui a pris un level up, enfin qui a pris un MVP. J'ai fait exploser 15 armures quand même. Lui il en a fait à peine 3, dont une blessure plutôt pas mal. Je me suis expulsé mon joueur tronçonneur, ce qui est logique. En termes de statistiques, 5 et 4, 9 et de 11, 5 et 3, 8 et 2, 10. Donc j'ai un point d'SPP de plus. Voilà. Au niveau des jets d'esquive, bon, je suis très en dessous, hein. Vous le voyez. Hein. 33% d'esquive, c'est fait pour un homme des arts. Après, avec les Saurus, on va dire que c'est discutable. Réception 50-50, ouais. Une interception 30 ratée. 3 blessures, 64 blessures, 75% de réussite. Aucun réveil de KO, bon ça c'est pas normal, hein. J'aurais dû voir au moins un des deux KO, une de mes deux sessions de KO qui s'est relevé, mon skink tacle plongeant. Le ramassage, ouais, bon je suis en dessous, un peu en dessous. La tronçonneuse, elle a eu 5 fois son efficacité quand même. Le seul mise de paquet qui réussit, c'est bon. Cerf-volant, je suis dans les stats, solitaire, bah, je rate, c'est logique. Sortie, voilà. Je fais pas mal de 1. Pas mal de 3, 4, 5, 6, ouais, 5, 6 c'est correct. Au niveau des blocages, j'ai fait pas mal de crâne et de 2 au sol, 34. Et j'ai un petit peu plus de peau et de bousculade, donc c'est plutôt pas mal. Concernant le signe noir, bon lui il a fait pas mal de 1, hein, je vais pas le nier. Mais il a eu pas mal de réussite sur la fin. Ses intrépidités qui sont dans les stats, à part peut-être pour le Crocs. Réveil de KO, bah, lui sans serveuse, il est au-dessus. Ses 2 mises de paquet aussi. Le tacle plongeant qu'il a. Ce qu'il a mis KO en première mi-temps, enfin qu'il a fait mise trop sol en première mi-temps, voilà. Un seul jet de réception réussi, waouh. Mais ça c'est avec toutes les balles qui rebondissaient et tout, c'était n'importe quoi. Les sorties, bon il est largement dessus, ouais. En termes de blocage, pas mal de crâne et de dos, bon, la réussite elle est mitigée on va dire. Et peau et bousculade des peaux, là il est largement dessus. Donc voilà, je vais vous montrer un peu l'équipe, ce qu'elle a pris comme niveau à la fin de ce match. Alors j'ai eu Kars qui a pris un level up. Je lui ai mis châtaigne, bloc châtaigne, du classique, du solide, du DPS.
Et sur Point Blanc, j'ai un peu de regret avec du recul, parce que je lui ai mis garde. Mais je me dis qu'est-ce qui en force était plus intéressant du fait de la queue préhensile pour bouger plus rapidement et mieux. Mais bon, après, c'est une question de point de vue. Donc voilà. En termes de statistiques, bon, si je compte pas la victoire en match amical et le match de préparation, je crois qu'on avait un match de préparation plus, enfin de. Pour avoir les attributs, je sais plus quoi. Il y avait un match qu'on n'avait pas joué. Je suis à 4 victoires, 3 défaites, donc j'ai une victoire de plus que de défaites, donc je suis plutôt pas mal. Cette équipe a 6 victoires, 3 défaites en tout, je suis plutôt content. Et je termine vice-champion d'un tournoi avec du coup recul, je suis plutôt satisfait. Mais bon, quand je revois la finale, je me dis que ça pouvait tellement passer aussi de mon côté, quoi. Il manquait pas grand-chose, mais bon. Le signe noir a gardé le tournoi du stagiaire Trophy, félicitations. Je suis vice-champion de ce tournoi, je suis plutôt satisfait. Et là, je suis en première division de Majestic Football League. Ça se passe bien pour le moment. Il me reste encore un match à jouer. Je sais contre l'Impopo. Je sais pas ce que ça va donner. Mais on verra bien. Voilà. J'ai fait finir ce replay là-dessus. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé ce replay, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre les actualités, tout ça, tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous de votre attention, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.